marche nue, les pieds nus, les jambes nues, les bras nus sur la lagune. Je marche nue, les pieds nus, les jambes nues sur la lagune. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Et j'aime le vent, l'amour et l'argent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne voit pas, toutes ces choses que je n'ai plus. Je marche nu, les pieds nus, le vent se lève sur la plage d'Ipanema. Je marche nu, tu vois, je n'ai rien sur moi. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Et j'aime l'argent, l'amour et le vent. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, ces choses qu'on ne compte plus, ces choses qu'on ne devrait pas avoir sur soi. Et le soleil sur les vagues fait des entrelacs. Ce n'est pas parce que la nuit tombe que je tomberai à genoux devant toi. J'attendrai que le soleil se lève et le vent avec moi. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux d'adultes, tu vois. Et les gosses jouent non loin de là à des jeux de brutes, c'est ça. Et les gosses jouent. Ils savent déjà l'amour, l'argent, le vent sont des choses qu'on ne compte pas, des choses qui excitent la vue, des choses qu'on ne donne pas pour rien comme ça. Et le vent se lève sur la plage d'Ipanema. Cette semaine, nous recevons Barbara Carlotti au live. Elle vient nous parler de son troisième album, L'amour, l'argent, le vent, et nous parler de ses projets, ainsi que de sa tournée. C'est tout de suite. Toutes ces choses qu'on ne compte pas, toutes ces choses qu'on ne compte plus, toutes ces choses qu'on ne voit pas, toutes ces choses que je n'ai plus. J'avais besoin d'une forme de densité beaucoup plus importante, en fait, dans la musique. J'avais besoin de quelque chose qui me tienne plus, qui me soutienne plus et qui me pousse. Et j'avais, voilà, j'avais besoin d'une forme, d'une force, en fait, supplémentaire dans les arrangements. Puis moi, je voulais accéder à quelque chose de plus direct, de plus franc, en fait, et du coup, qui passait par une énergie un peu plus grande. On sent que le disque a été écrit beaucoup lors de voyages. Je crois que vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. C'était le projet initial de voyager sur cet album. Je voulais aller d'abord au Brésil parce que j'écoutais beaucoup les tropicalistes, en fait, tout au début, là, quand j'ai commencé à écrire. J'écoutais beaucoup Caetano Veloso et Os Mutantes. Et j'avais envie d'aller trouver ça là-bas. Donc j'ai été rencontrer des maîtres sambistes, j'ai été voir un peu ce qui se passait. Donc j'avais besoin de passer par là. Je suis aussi allée au Japon. J'ai essayé d'apprendre aussi la musique sur d'autres instruments que les instruments traditionnels que j'utilise moi pour composer. Qui était d'abord le piano et la guitare, mais surtout le piano. Et là, j'ai essayé de composer sur un koto, sur un shamisen,
Enfin voilà, j'ai fait. Enfin voilà, l'idée c'était de vivre vraiment des expériences un peu différentes, mais avec toujours comme moteur la musique et aussi changer un peu de système musical, c'est-à-dire plus être dans l'aspect un peu vertical de la musique occidentale, mais vraiment être dans plutôt l'aspect horizontal de la musique orientale ou asiatique, et du coup, voilà, composer sur des modes plutôt que sur des harmonies. Insomnie de basse saison, et toi tu couches avec cette conne. Dimanche automne, le soleil pâle réchauffe à peine. Et est-ce que vos textes ont aussi été écrits à l'étranger? Est-ce qu'ils portent la trace de ces voyages? Quand j'ai initié le projet, je pense qu'on met du temps à intégrer en fait les choses qu'on vit. Et du coup, je suis partie, je suis revenue, j'avais noté beaucoup de choses, j'avais commencé à écrire des chansons. Et je les ai vraiment terminées ici. Ensuite, je suis partie en Inde. Et en Inde, j'ai fini d'autres chansons. On a joué avec les musiciens certaines chansons que j'avais déjà composées. On a revu un peu les arrangements là-bas. On a inclus une sitar dans un des morceaux et tout ça. Donc, il y a vraiment ce truc d'aller-retour comme ça tout le temps dans les voyages. En fait, il y a toujours cette idée de mouvement dans ce disque, de mouvement perpétuel, de marche en avant comme ça. Un peu vers d'autres horizons, quoi. J'ai essayé, voilà, de... Et donc, du coup, quand je suis revenue à Paris, il y a des choses que j'ai finalisées, mais très longtemps après, parfois. Vous avez un cursus musical assez original et assez riche. Vous avez étudié le chant baroque, je crois. Vous avez travaillé dans le jazz. Est-ce que ça donne forcément une approche différente quand on fait des chansons pop assez accessibles? J'ai un goût hyper hétéroclite. J'écoute toutes sortes de choses et tout, mais je pense que quand même, à un moment donné, pour trouver vraiment ce que j'avais envie de faire, il a fallu que je balaye absolument tout ce que j'avais appris et que je revienne un peu à la base. Et parce que les carcans d'enseignement, je pense notamment au chant lyrique, sont quand même assez... formellement assez fort, quoi. Et je pense qu'il faut s'en débarrasser pour faire quelque chose. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que je ne me suis pas dirigée là-dedans, c'est qu'il y avait quelque chose de trop écrasant pour moi. J'avais besoin de plus de liberté, et la liberté, je l'ai trouvée en écrivant mes propres textes et ma propre musique. Vous avez des projets aussi avec des gens d'autres univers, notamment avec le dessinateur Christophe Blain. En fait, l'idée, c'est que moi, je raconte son histoire et lui, il dessine les planches et j'écris la musique donc autour de cette histoire. Donc, c'est génial parce que moi qui adore les films et la musique de films, là, j'ai l'impression que je peux un peu m'y coller avec ça. Quelle va être l'orientation de cette tournée et de ces concerts? Moi, je pense qu'on va essayer de rester quand même assez fidèle au disque et parce que aussi, voilà, il y avait cette envie de vraiment faire quelque chose de plus dense et peut-être même un peu plus affirmé sur scène, un peu avec plus de densité comme ça. Donc du coup, on va être nombreux sur scène en fait. on est six, y a plein de claviers, mais on a essayé de garder un peu ce qui nous plaisait sur le disque, quoi. Pas de faire de réduction, et vraiment comme c'était un travail de groupe sur les arrangements, de d'être assez fidèle, mais... Ce qui est bien, c'est que sur scène, on va pouvoir étendre à 7 minutes des morceaux qui n'en font que 3 parce qu'on a envie de faire des ad-libs ou des ponts plus longs et se faire un peu plaisir là-dessus. Ouais. Bien, merci beaucoup, Barbara. Merci. À bientôt. Olivier, à bientôt. Hystérie monotone, insomnie de basse saison, et toi tu couches avec cette conne.
vieille balle réchauffe à peine. L'histoire s'efface et le temps traîne. Dormir ou perdre la raison. Dimanche d'automne, building transi sous les flashs blêmes. Des nuits entières sans le son. J'ai dû perdre mon sonotone. Je n'entends plus le téléphone. Ou est-ce parce qu'il n'y a plus personne? Tout l'hiver, lumière.
le toit de l'immeuble et elle pleure et elle crache sur les pigeons, les passants, les voitures, les poubelles, le martyr des autres et son soi-disant bonheur. Sur les yeux, l'éblouissent et l'empêchent de dormir. Et elle pose sa joue sur la terre mouillée et supplie les fleurs de prendre racine.